Et salut à toi, Team YouTube. Ça y est, nous y sommes, c'est grand jour. Nous sommes pour l'épisode final de Final Fantasy XIII. Ça y est, on y est. Là, comme vous voyez en bas, nous sommes à plus de 16 heures de jeu, 16h30 environ de jeu sur ce jeu pour arriver à son terme quasiment. C'est incroyable, on y est. On peut plus faire machine arrière, on peut plus faire quoi que ce soit. Là, c'est l'épisode final que vous avez, que vous allez voir. Et ça va être cool, ça va être génial. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la fin de ce jeu. Parce que franchement, je kiffe. Honnêtement, je kiffe, il est incroyable. On perd pas plus de temps. On y est. C'est parti. Alors là, nous avons un dernier petit combat qu'ils vont nous proposer. Et puis après, ça sera parti pour défoncer enfin le prêtre qui nous casse un peu les bonbons depuis un petit moment. Et ça sera le boss final de ce jeu. Vous pouvez s'en douter, ça va être lui hein, le boss final. Parce que ça a quand même monté plusieurs phases que c'était lui, lui qui va nous casser un peu les bonbons. Allez, c'est parti. Là, je vous cache pas que je suis quand même très content de moi parce que faire en 20 épisodes ce jeu, franchement, c'est génial. Hey, il récupère de la vie, hein. Il a récupéré de la vie, je sais pas comment il a fait, mais je sais pas si c'est un truc que j'ai mis pour le soigner, je sais pas. Ah, ça t'a fait submerger. Ok. En tout cas, c'est l'épisode final, les amis. On y est. Je crois pas qu'il fasse une merde parce que sinon, bah. Allez. Ah putain, il a fait submerger deux fois. J'avais vu submerger, mais je crois que j'ai tapé avant. Ok. Allez. Eh, il perd pas beaucoup de vie, il perd pas beaucoup de vie les gars. Allez. Oh, j'ai super bien fait de pas avoir fait ça dans le précédent épisode. Hein. Allez, go. Allez, 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 allez. Ah, il faut pas vraiment que tu te redonnes de la vie parce que là je pète un câble. Là je vous dis tout de suite. S'il se redonne de la vie, le combat il va durer très longtemps. Allez. Allez, meurs, 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 s'il te plaît. Allez, nous sommes quasiment à la fin, là. Il reste quoi, un quart de sa vie? Ouais. Alors, on veut plus de la moitié, déjà. Ça, c'est clair et net. Ça se pourrait que l'épisode final, il fait quand même une heure. Hein. Je pense. Yeah.
Allez, 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 allez. Il est quasiment mort. Allez. Allez, 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 allez. Là, il reste pas grand chose, allez. Allez, il faut pas qu'il se redonne de la vie, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le jeu. Allez, 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 allez. Oh non. Non. Il s'est redonné de la vie. Ah, je crois qu'il n'y a pas eu le temps. Mais parce que j'avais vu 9999, j'ai fait un an. Oh non, fais pas le con, hein, frérot. Hein. Allez, meurs, s'il te plaît. Laisse-moi affronter ton maître. Allez. 6 minutes, on a mis pour le buter. Ah non, quand je suis submergé avec 9999, j'ai fait... Ah, dis pas, c'est lui qui s'est encore re-soigné, s'il te plaît. Mais non, ça va. Ça va, ça va. Ah, c'était là. C'est là, les amis, le combat final. C'est ici. Et ça fait trop penser à avec Namine dans Cash 2. Ça fait trop penser à elle. Voilà. Encore une rêve de Cash. Let's go. Ça se voit que le gars, il est trop fan de Cash. Après, je pense que Sora, il sera complètement d'accord avec moi, hein, s'il regarde... Quand il verra l'épisode là, il dira bah, t'as complètement raison, ça fait penser à être trop à Cash. Peut-être pas du tout hein, pour lui, mais moi ça me fait trop penser à ça. Allez, c'est parti pour le combat final, les amis. On y est. Nous y sommes. よせ。思い出せ。セラはどこにいる。
お帰り、ルシの諸君。人と人、人と魔物、コクーンとパルス、争いは永遠に終わらない。闘争に苦しむ世界を救うのだ。オーファンを撃ってコクーンを滅ぼし、安らかな死を。滅びは救いじゃない。コクーンは死なない。みんなで誓ったんだ、守るとな。壊れた道具だな、お前たちは。延命は苦痛しか生まない。ここで耐えてもまたいつか誰かが破壊の使命を背負う。真の救いを望む。神を導くのだ。Allez, c'est parti! C'est parti, les amis! Allez, go! J'ai fait combien ultima, lui? C'est bon, t'as une arrière à ce point-là ou quoi? C'est juste qu'il y a en 3 phases hein. Ça va être chaud hein. Ça
moitié. Allez, meurs, s'il te plaît. Attendez. Ah oui, on n'a pas fait de la vocation. Enfin, on a vocation. Ah, il a fait quand même pas mal de dégâts, hein. La musique, elle est incroyable. Allez, meurs, s'il te plaît. C'est dire qu'il y a que 3 phases. Ça va être chaud, hein. Thank you.
Allez, première phase. Première phase terminée, les amis. Non, c'est pas fini. On a encore deux des phases. Ouais, je suis impressionnant. Deuxième phase. C'est quoi la musique d'opéra là qu'on a Oui, chez Frérot, ils ont fait un thème ou quoi? Star Wars, le truc. C'est incroyable. J'espère que vous kiffez, les amis, mais là, je suis en train de kiffer, moi. Attends, j'ai envie de refaire le coca. Il fait pas mal de dégâts ça.
Là, on est à la moitié de sa vie. Enfin, pas tout à fait à la moitié. Encore un peu et je pense qu'on sera à la moitié. Ah là, c'est pas grand chose. C'est merde. Ah ouais, mais on peut plus on peut plus attaquer. On peut plus attaquer. On peut plus attaquer, on peut plus rien faire. C'est comment ? Je peux plus attaquer ? Alors ça, c'est la meilleure, tu vois. Je veux, en fait, vous me faites baiser, en fait. En fait, je me fais baiser. Bon bah du coup on est obligé de recommencer hein. Je me fais baiser. Attendez. Mais comment je peux faire pour recommencer? Pas pour continuer. Oh putain, vas-y, je peux même pas. Si ça mère. Je peux même plus. On appuie sur 1. Ou c'est I. Ah, peut-être là. Ah, voilà. Bah oui. Et je recommence d'où? Oh, dis pas, c'est la première phase, hein. Bon, attendez, les gars. Je fais une petite coupure. Et puis je reviens, ok? Allez, à tout de suite. Bon, rue les gars, désolé, hein, bon. Là, j'ai été obligé de refaire toutes les phases. Du coup, j'ai refait la première phase et la deuxième, du coup.
Bah du coup voilà quoi, je suis quasiment à la fin de la deuxième phase, du coup c'est pour ça que je reprends. C'est pour ça que j'ai repris l'enregistrement. Et encore désolé, hein, franchement, je m'attendais pas à ça, mais au def. Hein. Du coup, je couperai le. Je ferai un montage du coup pour couper. Bah plutôt je ferai un montage pour rassembler complètement l'épisode en entier. Hein. En tout cas, désolé, hein, vraiment désolé. Pour la preuve que je savais pas qu'on avait plus de trucs bord jaune, bah on peut plus attaquer quoi. Ça par contre je savais pas du tout. Bah ils ont pas dit ça pourtant. Vous avez pas annoncé. Mais bon. Maintenance d'épée, on a aussi. Du coup, dernière phase les amis, dernière phase.
Du coup, il n'y a que deux phases alors. Bon, après, s'il n'y a que deux phases, moi ça m'arrange. Hein. Okay. Thank you.
印の烙印。同じ使命を背負わされた印は、同じ運命に立ち向かう証。一緒に交わした誓いの証。ヒーローは不滅だ。さあ、国運を守るぞ。滅ぼす力なら救う力にだってなれる。あんたが最後に破滅を招くなら、僕たちが盾になればいい。みんなの夢を叶えてやろうぜ。希望を、私たちの光に変えて。本当の奇跡を起こそ。奇跡はうちらの得意技だ。できない。なんだ。できると信じないから。お前は生まれた時から諦め、眉にこもって全てを呪い、人に滅ぼされるのを待った。破滅が救いと思うお前は死んでこの世を逃げたいだけだ。望み通りに一人で逃げろ。私たちは違うんだ。世界に希望がないのなら、見つけ出すまで一緒に探す。救いが失せた国運だろうと、守ってここで生きていく。それが私たちの人間の使命だ。あー、ダメパス。Il y a bien trois phases, les amis. Ok. Allez, go. C'est parti. Dernier combat, les amis. Dernier combat du jeu. Ça va durer une heure, hein, l'épisode, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai l'impression que c'est que la première phase où c'était une. Juste la première phase. Après la deuxième, ça va, ça a été vite. Et voilà, ça là, regardez, on est déjà plus de la moitié de sa vie. Hein. Ah ouais, mais là c'est bon, c'est fini. Il a perdu le boss. Savourez la fin, les amis. T'arrêter. Kokun, on va le protéger.
砕け。はい。ファング、バニラ。バニラ。願いは叶えるもの。未来の奇跡を待つんじゃない。今この場所で誓いを力に。目を覚まして。泣いたっていいんだよ。君が不意にそう言ってくれたから、なんだか嬉しくて涙じゃなく笑顔が支えたのか。世界を。新しい世界だ。とんでもない贈り物だ。私たちにできるのはここまでだよ。使命を果たしたのかな。確かに国運は壊れちまった。滅ぼしたことになるのかよ。都合のいい話さ。まるで奇跡だ。印が。世界はとても広すぎて迷ってしまいがちだけど、諦めてしまわずに歩き続けてさえいれば。
二人は。もう会えないのが運命でも、僕たちは奇跡を起こせる。お姉ちゃん許してくれセラ。おいおい、そりゃこっちのセリフさ。結婚を許してくれ。気が早いな。結婚は勢いってか。頼む、誓うよ、絶対に幸せにする。信じるよ。誓いになったとき、運命を変える希望が生まれる。希望という光を胸に、現実を乗り越えて、私たちは未来へと生きる。哇、wow. j'ai trouvé incroyable le jeu. Là, franchement, bon, j'ai pas de chapeau, mais si j'avais mon chapeau, j'aurais voté mon chapeau et je m'aurais incliné devant le jeu parce qu'il est incroyable. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Il est incroyable le jeu. Le scénario, parfait.Le scénario qui est parfait, l'histoire de A à Z, incroyable. Les changements de situation. Oh. En fait, je dis, quand on avançait dans le jeu, moi, mon ressenti en tant que gamer, on a avancé dans le jeu. Et puis dans la tête, je disais, waouh, c'est ça vraiment, ça sert à faire et tout, comment ça va se terminer et tout. Et.Les changements de situation, ah, je m'attendais pas à ça. C'est un chef-d'œuvre. J'ai pas envie de dire, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un... En fait, c'est la source de Final Fantasy. Où c'est un bien mâché, en fait. Et c'est incroyable. Voilà. Un jeu de plus de Final Fantasy avoir fini. Et de les revoir à la fin, revivre.Se changer en cristal parce que c'était leur vœu, c'était de sauver Cocon ou je sais pas quoi. Du coup, c'était sauvé et du coup, bah, ils sont revenus humains. Mais par contre, je m'attendais pas à ce soit la jeune Vanille avec French qui se sacrifie pour sauver tout le monde en fait. Ah, je m'attendais pas du tout à ça.Mais honnêtement, ça, honnêtement, les amis, si ça aurait été un film, le film, c'était masterclass, hein, clairement. Parce que, waouh! Du coup, un peu déçu qu'il y a eu une petite soucis technique, hein, mais je m'attendais pas du tout à ça aussi. En fait, la barque où on voit en orange, où c'est marqué 5, 4, là, c'était maximum, je pense, 5.S'il n'y avait pas ça, honnêtement, je me disais, merde, comment on peut terminer au fait? Comment on peut terminer? Du coup, j'ai recommencé. J'ai fait recommencer, et puis ça m'a refoutu le premier combat. Bon, c'est pour ça que ça sera coupé au montage. Mais non, clairement, c'était un très bon jeu. Franchement, je ne suis vraiment pas déçu. Pour ceux qui sont fans de Final Fantasy, je peux vous conseiller ce jeu fortement.Et je sais que j'ai eu pas mal d'avis positifs, hein, sur ce jeu. Sauf, voilà, malheureusement, j'avais pas assez... j'étais pas assez bon quand la première fois j'ai découvert Final Fantasy. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, quand j'avais essayé sur PS3, c'est vrai que j'avais beaucoup galéré à partir de la neige. Vous savez,
quand Wan merde, comment ça s'appelle, Sarah en cristal dans le milieu de la neige, bah, c'était là en fait la première fois que j'avais arrêté le jeu parce que j'arrivais pas du tout. Mais là, vu que j'arrive maintenant à jouer à Final Fantasy, que ça va, je derrière pas trop, du coup je puisse continuer tranquillou, et ça c'est cool. Du coup là, le prochain let's play les amis, bah pour vous YouTube, bah, c'est sans surprise, ça sera du Final Fantasy 7 Rebirth, la deuxième partie du remake de Final Fantasy 7. Ça sera ce jeu-là qui remplacera bah, Final Fantasy 13. Et sinon, après, après le jeu Final Fantasy Rebirth, bah, je pense qu'on fera du God of War, clairement. Parce que voilà, si on trouve Final Fantasy, tue Final Fantasy, comme on dit. Là, déjà, vous allez enchaîner quand même deux Final Fantasy d'affilée. Mais en tout cas, ouais, je pense, après Final Fantasy VII Rebirth, je pense qu'on s'attaquera enfin à Ragnarok de God of War. Parce que j'ai trop envie d'y jouer. Déjà, un, j'ai trop envie d'y jouer. Et puis, deux. Voilà, comme ça, on se mettra un petit peu à jour, hein, n'est-ce pas? Mais, honnêtement, waouh. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé, les amis. Alors, on va rester jusqu'à la fin, parce que regardez, on voit des cinématiques sur le côté. J'aime bien, c'est la source de Square Enix, c'est vraiment leur source à eux. Je trouve ça trop bien. Et puis peut-être, il y aura peut-être une scène post-générique. Peut-être. Pour ça, je préfère qu'on regarde jusqu'au bout. S'il y a un peu sur le générique, bah, c'est parfait. Alors, je crois que l'épisode va durer 1 heure, mais 1 heure et des poussières, bon, c'est pas grave, hein. C'est l'épisode final là, quand même. Pour ça conclure correctement et tout, les choses. Mais en tout cas, voilà, c'est fini. J'avais dit vers 14h, entre 14h, 14, 3h grand maximum. Il est 14h45, alors que je termine le jeu, et du coup, c'est vraiment top. Voilà. Alors, est-ce que c'est un jeu que je peux vous conseiller? Oui. Fortement oui, pour ceux qui sont fans de Final Fantasy. Après, pour ceux qui veulent découvrir Final Fantasy, bah, commencez le 7. Voilà, tout simplement. C'est soit vous faites le 7, soit vous faites le 10, ou sinon vous faites le 15 ou le 16. Un des deux. Parce que c'est des jeux un peu plus simples, entre guillemets, que pour faire découvrir la licence. Et sinon, bah, pour ceux qui n'ont pas fait le 13, bah, foncez. Foncez, les gars, vous n'allez pas être déçus. Après, certes, quand tu regardes, c'est bien, c'est cool. Mais quand vous jouez au jeu, c'est encore mieux. Honnêtement. C'est encore mieux quand vous jouez vous-même. Parce que c'est plusieurs styles de. Bah, il y a plusieurs styles que vous pouvez vous faire. Et honnêtement, je peux vous conseiller fortement. Il coûte pas si cher que ça hein, sur un scan gaming, je crois que vous pouvez trouver facilement. Bah, attendez, je vais vérifier hein, si vous voulez, mais je crois que sur un scan gaming vous pouvez l'avoir facilement pour 10 euros ou ouais, 10 euros. Je vous pouvez l'avoir facilement, je pense. Attendez, je vais regarder ça pour ceux que ça vous intéresse. Et puis évidemment, sur un scan gaming, hein, n'hésitez pas à marquer mon code promo. Hein, comme ça, vous avez une petite réduction et ça fait toujours plaisir. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous en parler de mon code promo de un scan gaming. Du coup, j'en profite un peu. Hein. Ouais, mais en tout cas, je m'attendais pas qu'il sacrifie quand même la jeune. Hein. Bah, après, la Bench ou Fen, je sais pas quoi, elle, je m'en doutais, mais la Vanille, non, je m'attendais pas à ça, mais bon. Tac, tac, tac. Ah, bah tiens, Final Fantasy 12, il est en promo. Incroyable. Bon, je l'achète. Hein. Non, il y est. Non, il y est plus. Il n'y a que le troisième opus.
de Final Fantasy. Ah, c'est marqué fin. Ok. Ah, il n'y a que Final Fantasy. Ah, si, ça y est. Final Fantasy. Ah, il n'en a plus pour le moment. Sinon, il était à 9 €. Ah, tu vois, 9,73 €, les amis. Écoute. Mais là, pour le moment, il n'y a plus stock. Mais ils vont rajouter. Hein, vous intégrez pas. Ils rajouteraient très, très souvent. Du coup, ça coûterait 9,73 €. Voilà. Bon, après, vous allez sur Steam. Hein, et puis. Si tu veux pas attendre, vous allez sur Steam et vous trouverez facilement. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, on retourne dans le menu principal. Et ben c'est parfait. Il n'y a pas de poste générique, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir le 2. Je pense, à mon avis, dans le 2, dans le Final Fantasy XIII 2. Je pense qu'on verra le mariage entre Snow et Sarah, je pense. Je pense avec plus partie du thème là. Mais bon, en tout cas, voilà mon avis, voilà la fin de ce jeu. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci à tous ceux qui ont suivi ce let's play. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous serez à fond pour quand on fera du Final Fantasy 13.2. Le retour de Light Knight, ça s'appelle le troisième opus. Et puis bah, pour la suite de mes let's play, merci à votre fidélité, merci pour votre soutien les gars, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, voilà, ça se termine là-dessus sur Final Fantasy XIII. Encore un jeu dans ma liste, je pourrais rayer, ça c'est cool. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez surtout pas à me dire vos avis. Sur le jeu global, c'est parti pour l'épisode final global. Comment vous avez trouvé la fin, comment vous avez trouvé les scènes finales pour conclure le jeu, et voilà, vos ressentis sur ce let's play en commentaire. C'est vraiment important de savoir si oui ou non vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré. Bref, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à partager, à vous abonner, et puis surtout à partager partout, à me suivre sur les réseaux et comme d'habitude. Et puis ben nous on se dit à la prochaine. Et évidemment pour YouTube, ben, ça sera du Final Fantasy 7 Rebirth. Et puis il y aura aussi la suite de Harry Potter, vous inquiétez pas. Et voilà, puis évidemment on sera un petit peu d'avance. Alors j'ai calculé, il y aura sûrement 9 épisodes en tout déjà. Quand vous verrez cet épisode là, il y aura déjà 9 épisodes tournés de Rebirth. Et du coup, vous aurez déjà 9 épisodes qui auront déjà en avance. Et au moment que vous verrez cet épisode-là, si vous regardez le jour de la sortie, vous attendrez 2 jours pour avoir enfin Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, des bisous, je vous laisse ici, et je vous dis à la prochaine. Tchuss !